J'aime beaucoup voyager sac sur le dos et puis j'aime beaucoup l'univers du surf et je vais très souvent au bord de la mer, de l'océan et j'aime beaucoup là, je me sens proche de la nature. Donc mes voyages tournent beaucoup autour du sport et de la nature, énormément. Et c'est vrai que y a une philosophie de vie aussi dans le surf qui a ce contact avec les éléments et ça m'inspire vraiment beaucoup pour écrire des chansons. J'écris des chansons sur le voyage, sur mes voyages, mais aussi sur des voyages que j'ai pas encore fait, des fois. J'écris des chansons qui. Voilà, l'Australie, j'y étais pas encore, c'est un pays qui m'inspire énormément. J'ai rencontré pas mal de musiciens australiens aussi. Je regarde des images de là-bas, j'aime bien me plonger dans une émotion et essayer de retranscrire cette émotion dans la musique. C'est ça que le voyage, c'est aussi un peu une part de voyage imaginaire et une part de voyage de ce que j'ai vraiment vécu. On n'a pas l'habitude de voir une guitare, violon alto et un saxophone. Et finalement, ça donne une nouvelle touche, un nouveau son. Et j'aime bien construire sur ce que la vie met aussi sur mon chemin, plutôt qu'à trop à me dire je veux que ça, garder cette ouverture. C'est vrai qu'il y a un moment où nous-mêmes, en chantant les chansons, on se sentait vraiment ailleurs et puis les gens en retour nous disent aussi après, ils disent que voilà, il se passe un truc. Et comme on aime beaucoup improviser, c'est une des particularités du groupe et tous les trois on aime beaucoup ça. Ça fait vraiment partie de nos concerts aussi, dans le sens où c'est pas que jouer nos chansons, c'est qu'à un moment c'est selon ce qui se passe dans la salle, avec les gens, selon l'atmosphère, on va faire des impros plus ou moins péchus et trouver vraiment du plaisir à s'amuser. Je crois que ça résume aussi l'ambiance. On aime bien s'amuser sur scène et on aime bien partager ce moment-là de cette façon-là, sans trop être trop rigide. Si vous voulez vraiment prendre un moment de détente, retrouver la banane, se faire plaisir et puis. Dire ok, le monde n'est pas si dur que ça. Se donner aussi envie de prendre des ailes pour voler vers ses projets. Écouter un peu notre musique, il y a de tout ça là-dedans.